Voilà, salut à toutes et à tous. Hey, l'ami. Salut mon frère. Ah bah ça va. Ah bah vous avez repris la patate. Les amis, salut à toutes et à tous, il est 16h. Non, ils vont rechialer. Attends, parce que ça c'est un début d'épisode incroyable. Ils vont rechialer. Attends. Voilà. Non mais les gars, j'adore ce jeu. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Cinquième épisode de notre aventure sur Jaguar Simulator. Ah, sur Far Cry 3. Non mais c'était moi les gars, calmez-vous. Comment ça va? On est au taquet. On est reparti pour notre aventure. Je vais vous refaire une ellipse, je vous rassure, mais je voulais vraiment commencer ici parce que ça me faisait poiler de rire. Enfin non, c'est pas drôle, mais bon, tu m'as compris. Donc là on va se rendre à Sunset Cove. On va prendre ce bateau et en fait on va... Je vais réactiver ce pylône, je vous rassure, je vais vous faire une coupure comme dit. Puisque voilà, vous le savez, dans le dernier épisode ça n'a pas été sauvegardé correctement, un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, mais en tout cas je vous reprends ici parce que voilà, on a découvert ce petit endroit. J'ai récupéré un petit peu des trésors aussi là. Allez, on y va en bateau. Je vais vous reprendre au pylône une fois qu'il sera activé. Attendez, parce que là ça va être la galère. Et bien voilà, on va conduire ce petit bateau. Allez, plein de bisous, à tout de suite. Allô, docteur Earnhardt. Allô, c'est Daisy. J'ai emprunté le téléphone du docteur. Comment ça va? Je me rapproche. Et toi, ça va? Ouais. Le docteur m'a installé dans une grotte sous sa maison. C'est plus sûr à cause des pirates qui passent souvent lui acheter des champis. Mais j'ai trouvé un super truc ici. Faut que tu vois ça. Ok, je te retrouve plus tard. Avec bon. Les autres, j'espère. Super. Bye. Ce qui est bien, c'est que comme on écoute 32 fois les mêmes dialogues, au moins je suis sûr de bien comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc notre amie Daisy est donc dans une grotte, mais ça on le sait déjà depuis le dernier épisode du coup, en sécurité parce qu'il y a les pirates, les marchands qui viennent acheter donc chez Monsieur Champignon, vous le savez. C'est un petit peu un collabo, mais du coup ils collaborent aussi avec nous, enfin bon voilà. Donc c'est très très bon à savoir, voilà, on se... refait cette magnifique cinématique et ça y est, on va enfin pouvoir continuer et faire la mission. Mais cette fois-ci, on est très très bien équipé puisque du coup, nous avons un sniper avec nous. Allez, let's go. Hop. Mais c'est pas là que je dois aller. Si, si, c'est ça. Voilà, maintenant gratuit en magasin PKM, ouais, bien sûr. Oula. Attendez. Je suis peut-être allé un peu trop vite pour le jeu là. Je suis allé un peu trop vite. J'ai plus de seringue. J'ai plus de seringue. Alors attendez, parce que là, médical. Oh, j'ai pas de feuilles vertes. C'est une blague. Il faut des feuilles vertes. Oh. Bon bah, j'ai plus de quoi me soigner, les gars. Je n'ai plus de quoi me soigner, messieurs dames. Non mais attends, mais je dois faire quoi là? Attends. Parce que là, il va me fumer là. Il va me fumer la gueule. Non mais attendez. Voilà, l'alarme. Alarme toute désactivée. Ok, voilà. Là au moins on est tranquille. Allez, c'est parti. Tuez le chef du camp et prenez la clé de la prison. Ok. Objectif, prison. Oh oui, oh je m'en rappelle de cette mission, messieurs dames. Mais oui, une des premières missions du jeu, un petit peu complexe. Je m'en souviens. Je me souviens l'avoir fait en 15 FPS avec la PS3. Que de bons souvenirs, messieurs, dames. Je crois qu'on a tout localisé. Bon, là, de toute façon, on peut y aller en mode bourrin parce que dans tous les cas, on a désactivé l'alarme. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas beaucoup de munitions, donc j'aimerais vraiment préserver, quoi. Oh, mais attendez. N'oubliez pas quelque chose. Attendez. Comment je fais? Comme ça. Messieurs, dames. Voilà. C'est ça qu'on veut voir, messieurs. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Bah du coup, je vais aller là-haut. Ça va me permettre de fouiller le corps aussi. Tant qu'on y est. Parce qu'en fin de compte, on s'en fout d'eux. Hein. On n'est pas obligé de tuer tout le monde. Alors attends, parce que le serpent, il va me causer du tort. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oh, de l'argent. Eh oui, on en a besoin de l'argent maintenant. Donc c'est lui que je dois tuer en priorité pour récupérer ses clés. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien.
Alors, ça m'embête vraiment de pas avoir de silencieux sur l'AK. Alors, regardez bien, messieurs, dames. Ni vu ni connu, messieurs, dames. Hop. Comme ça, on est tranquille. On récupère le petit conteneur. Là, 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 il y en a un là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Viens par là. Viens par là, faut pas qu'il te voit. Hein. Voilà. Ah, les cochons, ils transpirent, quoi, dégueu. Alors, attendez. Faudra rentrer là-dedans, hein. Bon, je voulais pas vous spoil, mais comme ça, vous le savez, normalement, il faut rentrer là-dedans. Mais d'abord... Eh, si j'arrive mon coup... Oh, merde, il a vu. Genre, il a vu. Je suis dégoûté. Bon, il me faut les clés là, il me faut les clés. Voilà, j'ai les clés. Allez, j'avance. Let's go. Let's go. On y va, on perd pas de temps. Lisa, elle est là-dedans. On va récupérer mon ami. Enfin, une deuxième amie, hein, bien sûr. À ne pas confondre avec Daisy, messieurs, dames. Oh, il m'a fait mal, le con. Allez, 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 bande-toi, on a plus besoin de soins, ça c'est cool. Ça c'est grâce au point de compétence, hein. Parce que j'avais plus de seringue, mais on peut encore se soigner. Ouh là là, on en a de la chance. Allez, je récupère quand même tant qu'on y est, hein. Lisa, elle peut bien attendre quelques minutes. Hein? Mais attendez, c'était pas prévu ça. Ok. Cette vidéo, elle est pas là. Oh, c'est Lisa. Non. Je vous en prie. Non. Je veux que tu dises maman, papa. Maman. Papa. Je vous aime. Je veux rentrer à la maison. Oui, voilà, sauf qu'on va la refaire. Non. Avec plus d'émotion. Allez, vas-y, chérie, recommence. Non. Eva, les brodies viennent de faire un carnage au Médusa. Mais putain, c'est... Je suis en train de faire un film, là, d'accord? Si j'étais toi, je resterais pas là. Ces petits enculés ont prononcé mon nom, là. De rester poli, hein. Je suis avec une future star de la télé. Merde, fais chier. Qui, moi? Tu vois ce que tu as fait? Tu veux te retourner mon actrice contre moi? Alors tu vas foutre le camp d'ici, disparaît. C'est incroyable. C'est horrible. Et donc Lisa, c'est ma copine, hein, du coup. Hein. Il me semble bien. Lui, on va pas l'embêter. Ah! Alors ça, je... je l'ai pas vu venir. Qui t'a tatoué, hein? C'est toi qui te l'a fait, ma soeur t'a fait ce truc, hein? Tu te crois comme nous avec ça? Tu crois que tous les deux on est pareil, hein? C'est que ça les fait bander, la jungle. C'est californien. Eh bien, je vais lui faire un beau trou dans son crâne à ma soeur. Comme à ton frère Grant. Je t'emmerde! T'es en colère, Jason. Oui. Tu as la rage. Ok, t'as le droit. Je l'ai aussi.
On n'a qu'une famille, après tout, c'est vrai. À une époque, j'aurais tout fait pour ma sœur. Tiens, la première fois que j'ai tué, c'était pour elle. Mais ça lui suffisait pas, ça. Non, pas du tout. C'est ça le truc avec ce qu'on aime, tu vois. C'est foutu d'être cher. Il te plante un putain de couteau dans le dos à chaque fois. Alors, il est comme ça, il dit, passe. Qui ça va être ce coup-là, putain? Ah! Ou moi? Moi! Ou ah! C'est... Non, je te jure, c'est comme s'il se disait que je devais faire un putain de choix. Bon, et ton feu, là, t'as chié. Tu vois? Et bonjour la poésie. C'est vraiment dommage que si tu étais tatoué comme ça, la seule façon de te tuer avec ça, c'est de t'effacer complètement. Chut. C'est rien. Non, arrête. Ça ira. Jason, je te jure, honnêtement, c'est carrément touchant que tu sois prêt à mourir pour ce que tu aimes. Lisa! Au secours! Lisa! Lisa, j'arrive! Lisa! Fais-moi l'amour! Allez, let's go, on va crever! On a 3 minutes pour crever! Allez, c'est parti! On va essayer de sauter par-dessus les flammes! Je sais pas où je vais. Oh, c'était pas par là. Aïe, allez. Oh bah ça va, allez, monte. Mais il est débile ce jeu. Ce jeu est débile. Voilà, je vous dis, bon, je suis aussi débile, mais allez. Bah oui, on peut pas se bander et monter en même temps. On peut que... Allez. Ah, le temps que je comprenne. Allez, let's go. Voilà, c'est que du feu, hein. Après tout ça brûle, hein. C'est pas non plus la mort, hein. Allez. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Mais il est débile. Ok. Allez. C'est pas vrai. Ah, je suis pas bien. Serrer les fesses. Aïe. Là, il faut monter. Ouais. Eh ça les gars, 10 FPS sur PS3, je m'en souviendrai toute ma vie. J'arrive. Je suis là, bouge pas. Oh bordel. Ils tiennent Oliver. Ils ont Oliver. Je peux rien faire pour l'instant. On s'en fout, c'est moi ton mec. Non, je rigole. Allez, fonce. Allez. Allez. On se casse. Ok. C'est notre seule issue. Allez, Jason. Oh mon Dieu. Ah. Eh, ma parole, elle est vraiment blonde, hein. Ma parole, elle s'est fait une coloration, hein. Excusez-moi, hein. Aïe. Oh. Ouais, je crois. Oh. Là, regarde, ce 4x4. Il est à découvert. Je vais le chercher. Défoncez ce véhicule. Lisa, prends le volant. Non. Conduis. Oh, je suis pas sûr là. Je suis pas sûr. Allez, let's go. Il peut pas démarrer. Allez, on pousse. On pousse. Poussez, madame. Let's go. Sauvez Lisa. C'est fait. Protéger le camion. Allez. Mais allez. Oh, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien. Voilà qui me plaît. Voilà qui me plaît. Allez, venez, je vous attends. Venez voir. Hop. T'inquiète. Voilà, c'est ça. Hop. Merde. Allez. Elle se débrouille pas mal, hein.
T'inquiète, c'est un détail ça. Ouais, un point de compétence gagné. Eh, franchement les amis, cette mission là, sur... Mais c'est pas une blague. C'était la mission que je redoutais presque le plus. Parce que j'en ai des très mauvais souvenirs sur PS3. Quand il fallait sortir des flammes, c'était très compliqué. Je crois que vous vous rendez pas compte, sauf ceux qui ont connu le jeu à l'époque. Mais à 10 FPS, frère, je n'arrivais pas. Là, évidemment, c'est ultra simple hein, en vrai. En vrai, c'est très très simple. Parce que pour l'époque, c'était dur, mais voilà, mais ça fait trop plaisir. California dreaming. Pourquoi t'as coupé le moteur? Non, il est calé. Oh, c'est pas vrai. Relâche l'embrayage. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi l'embrayage? Quoi? Oh, Lisa. Et c'est à droite qu'on accélère, au milieu, pied droit, hein. Le frein. Et à gauche, l'embrayage. Ah la vache, mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment une queue, hein. Ça, c'est ma copine, ça. Pas possible, hein. Je sais pas pourquoi je suis venu la sauver, hein. Hop. Tape dans le fond. Chicane. Tape dans le fond. Quoi? Bon bah... Bah je peux rien faire. Allez, allez, je peux pas me retourner. On les sème. Je vais vomir. Plus vite, plus vite. Mais tain, mais y'a pas de patate ou c'est toi qui sais pas appuyer sur la pédale? On a réussi. Ouais, j'ai failli brûler vive. Alors tu parles d'une réussite. Calme-toi, Lisa. C'est un cauchemar. Bon, écoute, je vais tout arranger. Tu sais où les pirates ont amené les autres? Ils ont conduit Oliver dans un endroit appelé le bunker. Je sais pas ce qu'ils ont fait de Kiss ou Daisy. D'accord, et Riley? J'en sais rien, je sais pas où il est, ni Grant. Grant est mort. Oh merde, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé Daisy, et je trouverai les autres. Où est-ce qu'elle est? Bien sûr. Viens, je t'y emmène. Okay. Let's go! Et de deux, une deuxième de récupérer. Bah, tu sais quoi, on va sauver les nanas. Hein. Et puis, pour les mecs, on verra ça plus tard. Trouver un moyen d'atteindre la caverne. Ah oui, Daisy, c'est sa fameuse caverne. La grotte sous la maison de Monsieur Champignon. Oh là là, ça va, on peut pas se faire un petit câlin? Alors regarde, ça c'est la maison de Monsieur Champignon, je te présente. Regarde. Ah, tu veux pas rentrer avec moi? Ok, j'ai compris. Attendez, parce que du coup, moi... voilà, regardez, il n'y a plus de place là. On vend. Ah non, mais en fait, c'est que des fleurs que j'ai. Ah ouais, d'accord. Mais en vrai, du coup, mais on peut pas vendre? Ah si, on peut vendre, mais c'est chiant, quoi. Bon, bah la flemme. Allez! Viens, je t'emmène dans la grotte. Enfin du coup je t'emmène dans la grotte. Mais c'est marrant parce que je crois pas que c'est par là qu'il faut aller. Donc viens pas en fait. Ne viens pas. Ne viens pas. Mais est-ce que ce serait pas la grotte Aïe, attendez. Je sais la... C'est pas la grotte d'où on est sorti? Par simple hasard? De toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on descende et qu'on trouve Dites-vous que la grotte elle est cachée hein, donc elle peut pas être là où il y a le point. Elle est cachée puisque le but c'est que personne ne puisse la trouver. Moi je pense qu'elle est en bas là. Moi je dis c'est là où on est. C'est de là qu'on est sorti, mais c'est totalement logique. C'est de là qu'on est sorti l'autre jour là. Attendez. Qui est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est par là. Allô? Ah ouais, enfin là ça m'étonnerait parce qu'elle me suit pas. M'en fous, je vais aller voir. Je trouve ça très bizarre. Let's go! Vous quittez la zone. D'accord. Donc c'est pas la grotte là. Bon bah voilà, bah comme ça au moins on est fixé. On est fixé, on se promène, on se balade. Après le jeu est quand même idyllique et vachement beau. Donc en vrai tourner en rond dans ce genre d'endroit c'est toujours sympa. Trouver un moyen d'atteindre la caverne. Mais moi je sais les gars, je vais pas, on va pas parler chinois 30 ans. Mais je sais que c'est pas là où il y a le point. C'est à dire que le point c'est là où il y a la grotte sous terre. Mais l'accès n'est pas là où il y a le point. Alors punaise.
On va essayer de... de trouver. En fait, faut partir du principe que si elle me suit pas, c'est que c'est pas là. Bah écoutez, on va... on va se débrouiller. Est-ce que là, elle me suit par exemple? Là, elle me suit. Là, elle me suit et elle court d'ailleurs. Si elle me suit, c'est que ça peut être là. Très bien. Mais ça peut pas être près du chemin puisque c'est par là que... que les gens viennent faire leur trafic là. Ah non, en fait c'est vraiment sur le point alors. Attendez, mais c'est pas possible. C'est ridicule. Je peux pas monter là. Bon, attendez, je vais continuer par là. Oh, tout va bien. Voilà, tout va bien messieurs dames. Non mais c'est pas vrai, je suis désolé. Non mais c'est une blague, ok. Je vais bouillir. Je vais totalement bouillir. Bah ouais, mais c'est sûr, mais je suis débile. Je suis débile, c'est derrière la maison. Mais c'est logique. Ça peut pas être là, puisque c'est là que tout le monde rentre. C'est le chemin principal. Mais oui, mais messieurs, dames. Mais oui, c'était logique. C'est derrière la maison qu'il faut aller. Hop, regarde, ça. Excuse-moi, je te fais un peu marcher, je pense que... attendez, feuille verte. C'est pas vert, c'est jaune. C'est pas grave. C'est pareil. Il faut aller derrière la maison, vous inquiétez pas. Vous quittez la zone, frère, laisse-moi le temps de venir aussi. Commence pas à exagérer. Ça fout la coup de pression quand même. Hein. Allez, cours, 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 on est bientôt arrivé. Ouais, je sais, je suis chiant. Hein. Ah, c'est un petit peu mon côté. Mon côté. Mais oui, mais c'est sûr, regardez bien. Vous allez être fiers de moi. Parce que là, il y a personne qui va là. Déjà, il y a un trésor là, c'est quoi ces histoires? Hop. Voilà. C'est une blague. Non mais attendez Je vais commencer à me poser les mauvaises questions là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais là je vais bouillir. Oh c'est une blague. Oh c'est une blague. Oh je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Lisa? Daisy! T'es vivante! Je suis vraiment navrée, Daisy. Écoute, c'est pas le moment de pleurer. J'ai trouvé ce bateau. Quelques réparations, et on dira adieu à cette île. Ouais, pour couler en pleine mer. Ah ouais, bonjour la confiance. Mais je compte sur vous quand même. On a besoin d'une embase pour le moteur. Elle est pas là. Bon bah, j'ai plus qu'à la trouver. Belle trouvaille. T'as pas idée. Viens voir. Trouver la pièce de moteur dans la caverne. Très sympa cette petite caverne, n'empêche. Bah écoutez. On va aller dans la... heureusement qu'on a une zone de recherche quand même parce que... Oh. Oh, écarlate. Attendez, bougez pas. Plante porte-bonheur, qu'est-ce que c'est que ça? Le nom plante porte-bonheur est suffisamment parlant. Bah ouais, bien vu. Ça sert à rien de dire la suite du coup. On va pas nous prendre pour des connards non plus. On peut monter là-haut, mais c'est incroyable. Attendez, je vais pas là où il faut, mais donc mais il faudra aller voir. Faudra aller voir. Oh. Hop là, le petit passage secret, ça c'est pour moi. Ah ok, bah la pièce elle est sous l'eau, c'est ça? Let's go! Alors, où c'est que ça pourrait être? Là. Eh bien voilà. Je n'ai rien vu. J'ai... vous n'avez rien vu non plus, c'est normal. Hein. J'ai tout simplement une acuité visuelle phénoménale. Hop, ça c'est pour moi. On récupère évidemment les petites fleurs par-ci par-là. Et ben voilà, sac à butin plein. Oh, ça va être la galère, hein, les sacs à butin, hein, je vous le dis. Hein. Même envie de dire un sac à putain quoi. Bonsoir. J'ai ce qu'il faut messieurs, mesdames. Madame. Ah, tu l'as trouvé. Et comme tu es très fort, tu vas arriver à l'installer. Pourquoi déjà, c'est pas toi qui le fais? Parce que j'amorce l'allumage. Ça existe ça? Ça y est, t'as fini? Presque. Ça
Ça y est. Super. Parfait. On va s'occuper du reste. Je pourrais peut-être aller voir Lisa avant de repartir. Bah, je fais ce que je veux déjà. Et puis Lisa, c'est ma copine, Lisa, on est bien d'accord. Je suis en train de dire des bêtises, attendez. Attendez, il est temps de remettre les choses... Personnage, ici. Lisa, votre petite amie. Voilà, tu vois, c'est ma petite amie. Oh là, elle est un petit peu vulgaire. Présidente du conseil des étudiantes à UCLA, actrice hollywoodienne prometteuse, on avait bien compris. Quelques PV de stationnement, rien de plus dans son dossier. Vous devriez me la présenter, je suis sûr qu'on s'entendrait bien. A savoir que c'est notre ami Tennis. Hein. L'homme qui a pris le nom de Tennis Roger est né. Ah non? Bah du coup c'est qui écrit ça? Parce que c'est écrit à la troisième personne. J'ai fait quelques recherches, Jason. Bon, je sais pas c'est qui écrit ça visiblement. Eva, c'est évidemment, c'est notre cher ami antagoniste. Protagoniste. Non, antagoniste. Ok. Magnifique, on va aller voir ma meuf. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'amour après tout ça? En vrai. La nuit, je rêve que je tourne à Hollywood. Et là, je me réveille ici. Navré que t'aies raté ce tournage. Aucune raison de t'en vouloir. C'est cette virée en parachute que j'aurais dû refuser. Ce qui compte, c'est qu'on soit sain et sauf. Tu m'as sauvé la vie. C'est bien grâce à toi si je suis là. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un plan. T'as raison. Moi, je vais retrouver Riley et les autres. Et toi, tu restes avec Daisy pour arranger le bateau. Bien failli rester déjà, toi et moi. Je sais ce que je fais. T'inquiète pas. Mais y a même pas de bisous. Sois prudent. Y a même pas de bisous. Non, t'as rien eu à faire. Bon bah voilà. Même pas eu un bisou quoi. Sortez de la caverne, rejoindre Citra. Oh, alors là, je viens de faire une dinguerie. Je viens d'interagir avec quelque chose que je n'aurais pas dû. Et ça, c'est la sauce Far Cry, messieurs, dames. Sur chaque Far Cry, sauf le 6, il y a une partie drogue. Oh, mon Dieu. Eh ben, en fin de compte, c'était une vache qui avait sauté sur une mine. Mais alors, il était passé comme... C'est là que c'est drôle. Il s'était barré en douce pour attraper une fille. Sauf qu'elle était tellement morte de faim qu'il s'est évanoui. Incroyable. La guerre, mon pote, c'est trop flippant. Ah ouais. Je crois qu'on a perdu Oliver. Je vous ai raconté que les trucs sympas. Et à vivre, c'était beaucoup moins drôle. Je reviens. Si tu vas faire le plein, ramène-moi une bière. Tu rêves? C'est pas moi qui paye. Ramène. Chéri, fais-lui du fric. Fais-lui un peu. Ok, je vais te donner de l'argent. Ouais, donne-moi du fric. Ok, d'accord. Qui veut du fric? J'ai des tonnes de bifetons. Allez, tiens, il y en a d'autres qui en veulent. Non, merci, mais je vais. Allez, allez. Incroyable. Sortez de la caverne, bah oui. Oh mon Dieu. C'est quoi la boisson locale? Le Mai Tai. Oubliez ça. Mettez-moi les Sambuca. 5, 6, 7. Des problèmes avec Lisa ou pas? Quoi? Elle t'a raconté? Déconne pas, Jason, sinon tu vas la perdre. Et les verres! Alors ça, tu vois, c'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, on boit. À la tienne. Attends, attends. Regarde, Toi, à la tienne. C'est ça, ouais. Oh merde. À mon petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Ah, il est passé où ce con, putain? À la black card de mon père et à ma black card. Oh bah ça va. Oh bah zéro regret hein, d'avoir fait ça, franchement. Pouvoir comprendre les souvenirs comme ça, c'est magnifique. Ça met presque la larme à l'œil. Ouais, donc je suis un peu en froid avec ma copine aussi, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait eu ces événements, mais du coup, j'étais en froid avec elle. Ce qui explique un petit peu... je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, là, les dialogues avec Lisa. Très bien. Par contre, ouais, c'est super parce qu'on a revu notre frère, notre grand frère.
Mais du coup, il est mort. Ok, bon bah voilà. On a fait notre petit bad trip. Et donc là, il faut qu'on sorte. Qu'est-ce que je fous là? J'étais absolument pas là, moi. S'en est passé des choses. On va sortir de la caverne. Et c'est bien, personne s'est inquiété que je suis passé de là-bas à là. On a rien à foutre de moi. T'as rien de mieux à faire. Mais ça va, mais parle-moi meilleur. J'ai compris qu'on était en froid, mais quand même. Rejoindre Citra. On sait pas c'est qui Citra. Citra, c'est la sœur de Vas, messieurs dames. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Bah avec Vas justement. C'est lui qui nous en a parlé. Très bien. Let's go. Let's go, let's go. Bah elle est où Citra? Citrate? Allô? Jason, j'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Tu étais où? Vas m'avait capturé. J'ai réussi à m'en tirer avec Lisa, mais il a toujours les autres. Je suis pas assez fort pour les libérer. Il te faut plus de pouvoir pour vaincre Vas. Je ne peux pas t'en fournir. Mais quelqu'un peut t'aider. Citra, tu es prêt. Tu dois aller la voir. Qui est-elle? Citra, guide notre peuple. Elle te conduira au centre. Elle révélera ton véritable pouvoir. Son temple se trouve dans la jungle. Je te retrouve à l'entrée. D'accord. Eh ben y a pas de souci. On va aller retrouver Citrate. Je m'embarque là. C'est une bonne question. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Pas facile à tout suivre, hein. Explorez l'île ou parlez à Citra quand vous serez prêt à recevoir un autre objectif. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on va faire. Mais déjà, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Mais surtout, il y a un truc que j'aimerais beaucoup. C'est au niveau des équipements. Je n'en peux plus. Alors déjà, pour avoir une troisième arme, il faut du cerf. Mais surtout, sac à butin. Du dingo. Ok. Kit de seringue, pour avoir plus de seringues. Du cochon. Ok, ça c'est ce qu'il nous faut. Parce que messieurs dames, vous voyez, ça par exemple, je peux, mais je n'ai pas de place. Oh si je peux. Instinct du chasseur, ça y est, c'est bon. Parfait. Bah, attends, on peut pas en faire plusieurs? Ah bah voilà, kit de seringue plein. Voilà, ça va nous permettre de faire de la chasse. Très bien. Ouais, donc moi ce que j'aimerais, exploration, ces injections vous aideront à explorer le monde. Ah, ça c'est pour aller sous l'eau et tout. Gorge profonde. Alors attendez, parce que ça c'est pour les flèches. Très bien. Sac à butin. Dingo. En fait il nous faut cerf, dingo, cochon, d'accord. Regardons un petit peu. Là on a du cerf. Je pense que, bah voilà, il y a du cerf. Non, ça c'est de la chèvre. Il y a du cerf ici, là c'est safe au moins. Il y a du cerf, ça c'est du dingo ça, non? Et ça c'est du cochon. Bah en vrai on va se TP ici et on va faire de la chasse dans tous ces alentours. Et on ira faire la mission ici. Tout ça on va faire dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé celui-ci. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien, pour la démonétisation et puis pour l'engouement, parce que en attendant ça fait du bien. Voilà, je vous le dis, je suis très heureux. Je suis très heureux de faire cette aventure. Et je suis très content si je vous fais découvrir ce jeu. Et je suis encore plus heureux si je vous le fais redécouvrir aussi. C'est que du bonheur. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.